11h30, fermeture des portes pour cette école primaire à Coutiot. Elle n'aura ouvert que 3h30 ce lundi 17 juin, les services de cantine n'étant pas assurés le midi. Une reprise dégradée, non sans conséquences pour les parents et leur organisation. Toute cette semaine, ça sera du, du mi-temps, on va dire. Donc, ils sont loin que le matin. Donc, nous, ça va, on a la chance d'être à côté. Ça arrange personne, mais bon, on fait comme on peut. Hein. On fait. Euh, voilà. on... On avance quoi. Donc euh, voilà, donc moi après je travaille à la maison et donc voilà, ça me permet de garder les enfants l'après-midi. On est très content que les enfants reviennent en classe pour voir leurs copains mais revenir aussi à la vie normale. Même si c'est vrai que la difficulté c'est qu'ayant trois enfants... Euh, une, un en maternelle, une en primaire et un au collège. Euh, L'organisation est compliquée. Euh, on a peu de visibilité puisqu'on nous donne des informations mais qui évoluent euh, malheureusement pas toujours dans le bon sens. Euh, on espérait reprendre au collège euh, mercredi pour mon fils qui est en sixième. Finalement c'est reporté au lundi prochain. Il y a un calendrier mais qui évolue encore tous les jours donc c'est encore au jour le jour. Pour retrouver un fonctionnement fluide, il faudra encore faire preuve de patience selon la vice-présidente du gouvernement en charge de l'enseignement, Isabelle Chamoreau. On a fait le choix de ne pas d'abord résoudre tous les problèmes avant de, de recommencer l'école. Il faut qu'on remette la machine en route et on les résoudra au fur et à mesure. Chaque établissement communique auprès de ses familles. Je demande aux personnes concernées une certaine compréhension. Je sais que les gens reprennent aussi le travail progressivement et que ce n'est pas pratique pour les familles, mais nous allons faire en sorte que la restauration se mettent en place le plus rapidement possible. La même chose pour les internats euh, qui sont pour l'instant euh, fermés. Ensuite, le transport global euh, qui concerne des milliers de personnes par jour et le transport scolaire reste encore un point noir et nous n'avons pas de solution à court terme euh, qui est encore mise en place au niveau technique et sécuritaire. Le calendrier pour le secondaire est fixé à la semaine prochaine, mais il est encore mouvant. Exception pour petro atiti lycée le plus endommagé. La rentrée n'est prévue qu'en 2025. Sur 780 élèves, 300 pourront être replacés dans d'autres lycées, dont Jean 23 à Païta. Ce dernier pourra les accueillir malgré un incendie déclaré la nuit dernière. Seul ce faré a été touché.